Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 5 novembre 2012. Nous allons commencer par l'ordre du jour. Alors, à l'ordre du jour, il y a deux changements. Il y a le retrait de l'item 9.7 et l'ajout de l'item 7.2. Alors, je propose, et il est résolu, que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Mongeon. Avec les amendements. Avec les amendements, nécessairement. Adopté. Dépôt et adoption des procès-verbaux. Alors, je propose et il est résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er octobre et de la séance extraordinaire du 22 octobre 2012 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Et c'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. L'item numéro 3. Alors, à ce stage, en vertu de la loi, je me dois de faire la lecture du rapport du maire portant sur la situation financière de la municipalité de l'Ange-Gardien. Mesdames et messieurs, chers collègues du Conseil, c'est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire et tel qu'exigé par la loi, mon quatrième rapport sur la situation financière de la municipalité. J'y traiterai particulièrement des éléments suivants. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2011, la situation financière actuelle de la municipalité, les faits saillants de l'année en cours, les activités d'investissement et les grandes orientations devant guider la préparation du budget 2013 et le programme triennal d'immobilisation, qui seront adoptés en décembre prochain, ainsi que quelques dossiers plus importants qui demandent une attention particulière. De plus, tel que prévu par l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je dépose en annexe la rémunération et les allocations accordées au maire et à chaque conseiller pour l'année en cours. Également, selon les dispositions de l'article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats ou groupes de contrats émis à un même fournisseur depuis le dernier rapport sur la situation financière et comportant des dépenses de plus de 25 000 $. État financier et rapport du vérificateur pour l'année 2011. En avril dernier, nous avons présenté le résultat de l'exercice financier de l'année 2011 qui s'est soldé par un excellent fonctionnement à des fins fiscales de 226 117 $. À la fin de l'année 2011, le niveau des excédents de fonctionnement accumulés, affectés et non affectés, de la municipalité se chiffrait à 791 214 $. Le solde de nos fonds réservés s'élevait à 306 593 $. La vérification de nos états financiers au 31 décembre 2011 et de notre taux global de taxation réelle a été à nouveau réalisé par Jean V. Dubuc, comptable agréé. Son rapport, daté du 18 avril dernier, confirme que nos états financiers donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats et des activités de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La situation financière actuelle. Quant à l'année en cours, le budget de fonctionnement pour l'année 2012 s'élevait à 5 628 699 $.
Il inclut une somme de 1 220 813 $ pour nos quatre-parts à la MRC des Collines de l'Outaouais, incluant le service de la police régionale. Ayant réalisé l'essentiel des projets prévus pour 2012, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2012 avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales légèrement inférieur à celui de 2011. Autant la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous auront permis d'atteindre nos objectifs. Je profite de l'occasion pour souligner l'excellente collaboration qui existe entre l'équipe des élus et celle des fonctionnaires qui nous appuient de façon efficace. Maintenant, passons aux faits saillants et réalisations de 2012. En administration et communication, malgré le fait que les demandes de services soient toujours à la hausse, compte tenu du développement du territoire, nous réussissons à maintenir notre masse salariale à des coûts jugés raisonnables pour une municipalité de notre taille. Les travaux visant à écrire l'histoire des familles de l'Ange gardien et l'Ange gardien en Outaouais, des racines à découvrir 1825 à 2012, sont terminés. La publication de nos livres s'est faite en septembre et en octobre 2012. Le principal projet ayant obtenu une aide du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, soit la construction de notre nouvelle mairie, de sa salle multifonctionnelle, ainsi que de notre troisième caserne, est terminé. Les bâtiments ont été inaugurés officiellement le 21 septembre dernier et nous sommes extrêmement fiers de l'avoir réalisé à l'intérieur du budget prévu. Les commentaires que nous recevons sur l'architecture et l'apparence générale de ces bâtiments sont tous élogieux. Le centre municipal du 870 Donaldson est maintenant occupé par les services des travaux publics ainsi que par le service de la protection contre les incendies et des premiers répondants. Une section est louée au Créditao, organisme parrainant la plateforme bio. Après celui des élus adopté en novembre 2011, un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux a été adopté en février 2012. Ces deux codes visent à s'assurer de l'adhésion explicite des élus et des fonctionnaires aux valeurs d'intégrité, d'honneur, de prudence, de respect, de loyauté et d'équité de la municipalité. Service pour la protection contre l'incendie et des premiers répondants. Pour répondre aux obligations découlant du schéma de couverture de risque, nous avons acquis un nouveau camion incendie d'une capacité de 2500 gallons. Celui-ci est stationné dans la troisième caserne. Nous invitons les gens situés à 8 km ou moins de cette nouvelle caserne d'en aviser leurs assureurs, car cette nouveauté pourrait peut-être valoir une réduction de prime. Aussi, toujours dans le but premier d'améliorer son rendement, ce service a acquis, pour une somme de 30 000 $ un camion usagé de la ville de Gatineau servant de poste de commandement. Ce véhicule est en excellente condition et devrait nous rendre de précieux services pendant de nombreuses années. Notre service de protection contre l'incendie des premiers répondants a reçu 94 appels au niveau incendie et plus de 151 appels au niveau premier répondant depuis janvier jusqu'à octobre 2012. Les citoyens qui ont eu à recourir à ces services nous ont maintes fois témoigné de leur appréciation et de leur reconnaissance envers nos intervenants. Cette année, la pièce de théâtre « La caserne de Lucirène » présenté de concert avec les services d'incendie de l'Ange gardien et de la ville de Gatineau, a fait le bonheur de quelques 2300 jeunes et moins jeunes. Cette pièce de théâtre visait à sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans à la prévention des incendies. Bravo à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans ce projet. Notre réseau routier. Nos investissements dans l'amélioration du réseau routier, totaliseront en 2012 plus de 1 130 000 $. Ces travaux ont touché plus particulièrement les chemins Lamarche, Assad, Charon, Farnham, Fillion et Henri Chartrand.
Comme à chaque année, nous maintenons nos travaux d'entretien des chemins dans le but de prolonger la durée de ceux-ci. Malheureusement, nos projets de pose d'asphalte recyclé prévus en 2012 n'ont pu être réalisés en raison de l'impossibilité d'obtenir du matériel conforme à nos spécifications. Je tiens à assurer les citoyens des secteurs concernés que nous ferons de ces travaux une priorité en 2013. L'hygiène du milieu et des parcs. Le service de l'hygiène du milieu et des parcs gère l'amélioration et l'entretien des parcs et espaces verts, l'enlèvement des matières résiduelles et la vidange des fosses septiques. Au niveau des parcs et des espaces verts, en plus d'avoir aménagé le terrain de la mairie, ce service a aussi géré de nouveaux investissements pour plus de 80 000 $ dans les parcs, dont l'aménagement de nouvelles installations dans le parc des Sables et des travaux de terrassement, l'achat d'une structure de jeu pour le parc Lansdale, le pavage de sentiers au parc des Arpents Verts et l'installation de buts de soccer et divers autres aménagements au parc de Glenhanmon. Une bonne partie de ces investissements ont été financés à même le fonds provenant du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Ce service, de concert avec les autres, voit à ce que les matières résiduelles soient traitées au moindre coût possible. Soulignons qu'en vertu de notre adhésion à l'organisme tricentriste, nos matières recyclables sont maintenant traitées sans autre frais que le coût de notre cotisation annuelle. De plus, la proximité du nouveau centre de tri, situé tout près de la route de l'aéroport à Gatineau, nous a permis de faire des économies substantielles en coûts de carburant et en même temps, et en temps supplémentaire, sans compter la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, nous vous invitons à nouveau à vous procurer votre composteur et recycler davantage afin de continuer à réduire notre impact sur l'environnement et les coûts associés à l'enfouissement des déchets ultimes. Notre nouveau système d'émission de coupons donnant droit aux citoyens de disposer gratuitement et à leur convenance de leurs matériaux secs et encombrants à l'éco-centre a été fort apprécié et nous prévoyons que cette méthode s'appliquera de nouveau en 2013. L'urbanisme, le développement économique et le développement durable. En matière d'urbanisme, cette année, une soixantaine de nouveaux bâtiments, incluant les bâtiments commerciaux et institutionnels, se sont ajoutés sur le territoire. Nous sommes très satisfaits de ce résultat qui démontre, encore une fois, le dynamisme de notre municipalité. En tout, le service d'urbanisme aura émis près de 500 permis de tout genre en 2012, soit près de 200 permis par inspecteur. Notre service d'urbanisme participe également activement au processus de révision du schéma d'aménagement de la MRC des Collines. En matière de développement économique, la municipalité a commencé à développer ses nouveaux terrains faisant partie du parc d'affaires municipal. Nous avons construit un nouveau tronçon de chemin qui portera le nom de chemin Henri-Chartrand pour donner accès à la phase 2 du parc. Deux terrains sont déjà en voie d'être vendus dans cette nouvelle phase et une vingtaine d'autres seront actuellement disponibles. Nous comptons actuellement près de 15 commerces établis dans notre parc d'affaires. Le développement durable. Du côté de l'agriculture, le projet de la plateforme bio visant à promouvoir l'utilisation de nos terres agricoles tout en favorisant la formation d'une relève en agriculture s'est poursuivi en 2012. Au minimum, une quinzaine d'entreprises ont profité à ce jour du projet de la plateforme bio. Déjà trois d'entre elles ont quitté la plateforme pour s'établir en permanence sur leurs terres et au moins une autre devait en faire autant en 2013. Le programme H2O des collines, qui se veut une campagne d'analyse des eaux de puits, se poursuit toujours et nous vous encourageons à profiter de celui-ci pour vous assurer de la qualité de votre eau d'alimentation. Loisirs et culture. Notre entente avec la ville de Gatineau est présentement en renouvellement et nous espérons pouvoir la maintenir pour de nombreuses années. Cette entente permet à nos contribuables d'accéder à tous les services de loisirs,
de sport et culture offerts par la Ville à ses citoyens. Au niveau de la culture, notre entente avec le carrefour culturel Estacade est aussi toujours existante. Elle permet à la population angeloise de bénéficier de spectacles, de présentations de films et de billets gratuits pour les diverses représentations cinématographiques qui ont lieu à la salle Desjardins à l'école secondaire Armidas Gamelin. La troisième édition de la Festicana Champêtre, tenue en octobre et organisée en collaboration avec l'Association équestre des Vallées Rocheuses de l'Outaouais et la Corporation de développement de la vie communautaire, a été un vrai succès et j'en félicite les organisateurs. Passons maintenant aux activités d'investissement. Pour l'année 2012, nos dépenses d'investissement totales dépasseront 2,7 millions de dollars. La plus grande partie de ces dépenses aura été affectée à l'amélioration du réseau routier et à la construction de la mairie de sa salle multifonctionnelle, la construction de la nouvelle caserne et à l'achat du nouveau camion d'incendie. Orientation du budget 2013 est aussi importante. Le réseau routier, grâce au programme de redistribution aux municipalités de la taxe d'assises sur l'essence, qui se poursuit en 2013, et au fonds spécial financé par les redevances des carrières et sablières, nous pourrons poursuivre nos investissements massifs dans le réseau routier dans la prochaine année. Au niveau du parc d'affaires, le développement de notre parc d'affaires se poursuivra en 2013. De nouvelles entreprises devraient y voir le jour, sans aucun doute. Et dans le domaine du développement résidentiel, plusieurs nouveaux développements résidentiels sont présentement en préparation et certains seront prêts à accueillir de nouvelles résidences en 2013. Ces projets, ainsi que ceux qui ont été réalisés en 2012, contribueront au maintien de notre croissance économique pour encore plusieurs années. Chamboisé. En vue de planifier l'utilisation qui sera faite de la propriété de Chamboisé lorsque la municipalité en prendra définitivement possession, un comité formé d'élus, de fonctionnaires et de contribuables est maintenant créé et a débuté le processus de réflexion, lequel se poursuivra en 2013. Le centre de services d'Andelson, afin de compléter la relocalisation de nos différents services suite à la construction de la mairie, nous procéderons en 2013 à l'ajout de deux baies de camions d'incendie à l'ancien centre municipal du chemin d'Andelson afin de remplacer l'actuelle caserne numéro 1. Cette dernière sera par la suite transférée au service des travaux publics pour devenir le garage municipal. Nos travaux d'amélioration et d'aménagement des parcs se poursuivront en 2013 selon le plan établi. L'année 2012 restera comme une des plus marquantes de l'histoire de notre jeune municipalité, avec le déménagement de notre centre administratif dans la nouvelle mairie et la publication des livres sur notre histoire. Soyez cependant assurés que malgré que nous ayons franchi ces étapes majeures de notre développement, nous maintenons intactes nos valeurs de base qui sont la qualité de vie des citoyens et la protection de l'environnement, ainsi que notre caractère rural. Je m'en voudrais de terminer sans remercier les fonctionnaires pour leur support et leur engagement tout au long de cette année, ainsi que mes collègues du Conseil. Tous ont dû redoubler d'efforts afin de réaliser tous les projets énumérés précédemment. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne fin d'année 2012. Alors, nous allons continuer avec le rapport d'activité mensuelle. On a encore un petit peu de lecture à faire. Je l'ai mis. Administration et communication. Le comité de planification de Chamboisé a débuté ses travaux. Deux rencontres ont eu lieu jusqu'à maintenant. Le contrat d'assurance collective avec Great West a été renouvelé pour un an. Les travaux de conception du calendrier 2013 sont pratiquement complétés. Dans le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation à la CPTAQ, deux avant-projets de lotissement, trois plans d'implantation
et d'intégration architecturale pour des projets dans le parc d'affaires municipal et une demande de dérogation mineure en octobre. Nous avons émis 458 permis jusqu'à maintenant en 2012, 143 de plus qu'en 2011 à pareille date, dont 56 constructions neuves, incluant 3 bâtiments commerciaux, soit 29 de plus que l'an dernier à pareille date. La construction de 4 nouveaux bâtiments est sur le point de débuter dans le parc d'affaires municipal. Sécurité publique. Les pompiers de Langevin et ceux de Gatineau ont présenté en octobre 10 représentations de la pièce de théâtre La caserne de Luzirène visant à sensibiliser les jeunes de 6 à 12 ans à la prévention des incendies. Les représentations ont été un grand succès. Nous félicitons les artisans de ce projet. Les premiers répondants ont répondu à 151 appels jusqu'à maintenant en 2012. Les pompiers ont répondu 9 appels en octobre, dont 3 accidents de la route, 1 feu de véhicule et 5 alarmes, pour un total de 94 interventions à date en 2012. Les travaux publics de leur part, un appel d'offres a été lancé pour l'octroi d'un nouveau contrat de vidange, transport et disposition des bouts de fosses septiques pour l'année 2013-2016. Les travaux de construction du chemin Henri-Chartrand du parc d'affaires de municipalité sont complétés. Loisirs et parcs, les travaux de pavage des sentiers du parc des Arpents Verts sont complétés. On va passer maintenant aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, si vous voulez vous lever, présenter devant et vous nommer, s'il vous plaît. Mon nom est Maurice Chenevert. Je réside à 53 chemin de Palma, dans l'Est, juste en arrière de Savoyard. Quand vous avez parlé de nouveau développement qui va avoir lieu dans le futur, j'ai rencontré les deux conseillers que je suis assez familier à aller voir régulièrement. Ma préoccupation, c'est pas le développement d'une nouvelle maison, c'est plutôt sur l'approvisionnement en eau qu'il va avoir dans le futur pour notre prochain quartier. On pourrait élaborer longtemps. Ma préoccupation, je crois que je pourrais être le premier résident d'être affecté par un manque d'eau, si il y a un manque d'eau. Si je devrais faire des déboursés sur Purtésien, dans mon secteur, il y a beaucoup d'eau saline qui ressort de ces puits-là. C'est des investissements à long terme énormes. Et si ça s'évère dans quelques années par après, que d'autres résidents, puis la municipalité devrait envisager peut-être un aqueduc. Moi, j'aurais déboursé énormément d'argent pour m'approvisionner et puis peut-être encourir d'autres argent pour subventionner le système aqueduc. C'est ma préoccupation. Puis moi, je me situe juste en arrière de la sablière Clément. C'est très creux. Si le promoteur s'en va là, est-ce qu'il y a une garantie? Parce que présentement, quand je suis arrivé chez moi, il y a 18 ans, j'avais plus de 16 pieds. Là, présentement, quand M. Clément faisait l'exploitation savoyarde, ça l'a baissé de 2 à 2 pieds et demi. Est-ce qu'il est, là, présentement, c'est vallonneux. Est-ce que le promoteur qui va faire de la construction, le développement de domiciliaire, il va-tu tout bouler ça ou drainer la nappe phréatique davantage pour exécuter ses travaux? C'est ma préoccupation au niveau de l'approvisionnement d'eau. Je suis pas contre le développement de nouvelles maisons. C'est une richesse qu'on a pour les municipalités. Mais j'aimerais que ça s'est fait dans l'ordre, l'environnement, comme vous avez mentionné tantôt dans votre discours. Mais je parlais avec les deux conseillers que je vois régulièrement. Je sais par en arrière, pas loin de la chose du compostage, il y a une nappe phréatique très grande. Mais qu'est-ce que je m'aperçois, cette nappe phréatique-là, l'eau s'écoule dans la carrière, et après ça, elle s'en va dans le ruisseau. Ceux-là n'est pas acheminé vers les quartiers habités. C'est ma seule préoccupation. Moi, la question que je vous pose, est-ce qu'il va y avoir une étude de fait, de faisabilité pour ces développements qui vont avoir lieu dans le futur? C'est ma question. Excusez, c'est un puits de surface, vous avez ce point puits artésien? Puits de surface. OK. Puis, dans le secteur, il y en a qui ont dû aller avec des puits artésiens, puis c'est de l'eau saline. D'accord. Alors, monsieur, je comprends très bien votre préoccupation et on en tient compte.
Cependant, comme dans tout autre projet qu'on a autorisé ou qu'on autorisera dans le futur à l'Ange Gazon, on est conscient de certaines... On a des questionnements en tant qu'à la capacité de lui que faire de rencontrer les besoins. Mais dans toutes les municipalités rurales, on a tous le même questionnement. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a sous terre. On n'est pas capable d'y aller, là. On n'est pas capable d'aller voir ce qui se passe là. Pour ce qui est de la carrière, il y a des études qui ont été faites il y a 4 ans, M. Descarreaux, 4 ans environ, devant l'inquiétude des résidents du quartier, tant qu'à l'approvisionnement en eau, parce que la carrière d'Agenais soutirait de l'eau du fond de son excavation. Les études ont démontré qu'il n'y en a pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il y a eu 6 puits témoins qui ont été creusés autour de la carrière. Et durant, on n'a pas les résultats récents, là, mais durant un certain nombre de mois, malgré tout ce qui se faisait là, toute l'utilisation de l'eau qui était faite dans votre quartier, plus que la carrière pompée à l'extérieur, ces puits-là variaient en aucune façon. Alors, ça veut dire que ça a été à la satisfaction. Pour vous rappeler, à cette époque-là, il y a eu un comité de citoyens qui s'est formé sous la présidence de M. Favreau, Gilles Favreau, et ils avaient posé beaucoup de questions, et puis des études ont été faites, les résultats leur ont été remis, et tous ces gens-là étaient satisfaits des résultats, c'est-à-dire que ça les confortait de savoir là, qu'il n'y avait pas de problème d'eau. Il a été démontré dans quelle direction coule la nappe phréatique, parce que pour faire la distinction entre la nappe phréatique et les autres surfaces, que vous parlez tout à l'heure, les puits qui ont baissé un petit peu, les puits de surface, souvent, c'est causé par on n'a plus de soleil, il fait plus chaud les années qu'on connaît dernièrement, comme cet été, là, tout ça. Alors, c'est sûr que les autres surfaces ont tendance à baisser un peu. Quand on parle de nappe phréatique, Peux-tu interrompre juste un instant? Moi, la nappe phréatique a baissé à cause que M. Clément, quand il creusait pour faire l'exploitation savoyarde, il creusait des ruisseaux pour être en mesure d'avoir plus de soleil. Il y avait un certain drainage qui se faisait. Exactement. Mais quand je vous explique, on ne parle pas de la nappe phréatique, là, on parle des autres surfaces, là, à ce moment-là. Les puits de surface, ça s'appelle puits de surface parce que ça va chercher les eaux de surface. La nappe phréatique, c'est beaucoup plus profond dans le roc. Et les gens avec les puits artésiens, c'est ce qu'ils vont capter là, quand on va à 100, 150, 200 pieds, des fois 300 pieds dans le roc. Et à ce moment-là, cette nappe phréatique-là, selon nos experts, l'eau ne manque pas du tout dans ce quartier-là. Au contraire, il y a énormément d'eau là, et ça s'écoule en direction du nord, si on veut dire nord par là, sud par là, vers la rivière des Outaouais. Alors, c'est peut-être nord-ouest un peu, là, en direction vers le bas. Et il y a une quantité considérable d'eau qui s'écoule là. Je devrais préciser ma question. D'abord, c'est plutôt les eaux de surface qui me préoccupent. Parce que 90 % du quartier, ça provisionne en eau de surface. Mais c'est un choix de construction. Mais, tu veux ajouter? Moi, M. Chenevert, en tant que conseiller dans ce quartier-là, c'est sûr et certain que tout développement, pour nous, l'eau, c'est une préoccupation essentielle. Et c'est sûr que, de ma part, on va faire tous les efforts pour un développement harmonieux avec l'environnement et aussi pour s'assurer que la quantité qui est déjà existante, qui est très grande, qu'on puisse, avec un promoteur, la gérer de façon raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout prévoir, OK? Mais c'est certainement, puis je reçois très bien votre intervention, c'est certainement une de nos préoccupations qu'on a tous dans des développements dans nos milieux ruraux qu'on a, parce qu'on n'a pas d'aqueduc, mais il faut gérer pratiquement au cas par cas. Puis c'est sûr que, en tout cas, pour ma part, je suis très sensible à cet aspect-là, puis soyez assurés qu'on va prendre, moi je vais prendre tous les moyens pour faire part à mes collègues, je ne veux pas utiliser le mot qui fait peur, là, mais je vais sensibiliser les gens pour que l'approvisionnement d'eau ne devienne jamais un problème chez nous. Mais ce n'est pas une promesse que je fais. Mais c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on a une demande de projet, qu'il y a des projets de construction qui se développent sur le territoire. La question est toujours là, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau? La réponse jusqu'à date a toujours été positive.
Quand je siège à la MRC avec mes confrères maires des autres municipalités, que ce soit Val-des-Monts, La Pêche et tout ça, ils ont la même préoccupation. Puis eux, c'est pareil, ils sont doubles de grandeur par rapport à nous. Puis ils n'ont pas manqué d'eau. Puis semblerait qu'il y a de l'eau en masse là, dans notre bonne vieille terre et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, on n'a pas la certitude, comme je disais, on ne peut pas jamais vous garantir qu'il n'arrivera jamais rien sur cette terre-là. Mais à date, il n'y a jamais eu de problème. Et puis, je ne croirais pas qu'il y en ait plus dans ce secteur-là qu'un autre secteur. Parce qu'au contraire, les études qui ont été faites suite à la demande des citoyens qui étaient concernés par le pompage qui est fait par la carrière, ces études-là ont démontré que de l'eau, il y en avait en masse. Puis même s'ils pompaient et tout le monde utilisait de l'eau, il n'y avait même pas de baisse valable ou variable dans le niveau de ces puits-là. Alors, jusqu'à date, le ministère de l'Environnement continue de suivre ces puits-là. Ils font des lectures régulièrement et on n'a jamais été avisé qu'il y avait baissé. Là, vous parlez de puits artésiens. Je suis d'accord avec toi, peut-être au niveau puits artésiens, l'eau est en abondance. Mais il y en a-t-il qui a eu des effets au niveau de la qualité d'eau? Parce qu'il y en a dans mon secteur, ils ont de l'eau saline. Il y en a quelques-uns. On en retrouve quelques-uns sur le territoire de l'Ange-Gardien, mais ça, on ne peut pas les prévoir. Non, je suis d'accord. Quelqu'un creuse un puits, il y a un puits salin, puis il va se tasser 25 puits plus loin ou 15 puits plus loin, puis il va creuser, puis il va aller dans une autre veine, puis il y aura de l'eau en abondance et de bonne qualité. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans le sol. C'est embêtant. En revenant à une autre préoccupation, moi, derrière moi, dans ma maison, mon terrain, et où M. Clément creusait pour le retirer du sable, c'est tout vallonné. Est-ce que le promoteur, y a-t-il une garantie qu'il va, il va peut-être niveler le terrain pour non endommager davantage la situation? M. Legaro. Juste pour compléter la réponse de M. le maire, puis peut-être que ça va répondre à votre questionnement. On a un règlement, nous, en vigueur, qui spécifie que quand un promoteur réalise un projet domiciliaire, si dans le cadre de la construction de ses chemins, quand il nous présente ses plans, s'il prévoit faire des excavations en dessous de la nappe phréatique, puis je parle de la nappe de surface, là, il doit nous déposer une étude hydrologique à l'effet que ça n'aura pas de conséquences sur les puits avoisinants. S'il n'est pas en mesure de nous présenter ça, il ne pourra pas excaver en dessous de la nappe. Il va devoir construire ses chemins, remonter ses chemins, dans le fond, pour éviter ça. Donc, ça, c'est une... peut-être une assurance là, qu'on peut vous donner quand il va présenter ses plans de construction de chemin, on va faire cette analyse-là, à savoir s'il va, pour faire ses fossés, par exemple, s'il va devoir creuser dans la nappe, bien, à ce moment-là, il va devoir faire des études en conséquence. C'est clair que oui, il va sûrement y avoir du nivellement qui va... Tu parles-tu des autres surfaces ou des... Surfaces, okay. Oh, oui, autres surfaces, oh, oui, okay. Tout à fait. Non, c'est rassurant, ça, entendre ça. Bon. Okay. Merci. Ça va, monsieur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui. J'avais parlé des loisirs, des installations. Je sais que j'ai vogué un peu, Alain, un peu cet été, concernant le terrain de tennis qui est en construction dans Sablière. J'ai hâte à ma retraite. Là, je suis à la retraite et j'ai hâte d'en jouer le plus tôt possible. Y a-t-il une échéance à la finition de ce projet-là? Au début de la nouvelle année, là, on a fait un grand bout cette année. Là, on est rendu dans la période de la saison où ça devient difficile. Là. Mais vous avez un bon chien de garde ici qui surveille ça de près et qui nous pousse dans le dos. C'est sûr que pour le plan du parc, on aurait aimé avoir tout complété en 2012. C'était ce qu'on espérait. Maintenant, les ressources, la municipalité, avec tous les autres projets, n'ont pas toujours été disponibles en aussi grosse quantité qu'on aurait désiré pour faire avancer ces projets-là. Mais en plus de ça, c'est qu'au niveau du remplissage, on a fait aussi à peu près comme 2 pieds de remplissage.
Donc, c'était un inconvénient, un mal pour un bien, c'est-à-dire que pendant l'hiver, ça va se compacter, et au printemps, en 2013, et là, c'est sûr que le chien de garde va commencer à mordre en 2013, parce que le terrain de tennis devrait être nivelé et complété pour 2013. Donc, on a un délai en 2012. En 2013, il n'y aura plus de raison. C'est-tu deux terrains ou un? Un terrain de tennis, deux terrains de volleyball dans le centre. On avait attendu deux de quelqu'un. C'est peut-être qu'il y a un mélange, mais c'est un terrain de tennis, deux terrains de volleyball. OK, c'est bon. Merci. Mon premier match. D'accord. Nous allons continuer avec la déclaration du membre, des membres du conseil. Est-ce que Paul a fait sa déclaration? Peux-tu me répéter qu'en 2013, je vais mordre? Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil, non? Alors, nous allons passer au dépôt et à l'adoption du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud. Une venant de la compagnie CCE Précision et une autre de Ventilation SM. Nous avons aussi traité une demande d'autorisation à la CPTAQ pour la construction d'une résidence en zone agricole sur le vieux chemin de Néo. Et finalement, nous avons pris position sur deux demandes d'avant-projet de lotissement, la première pour le projet des Belvédères de l'Ange Gardien et la deuxième pour un projet dans le secteur du chemin Belter. Donc, par la présente, je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 octobre 2012 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il s'est adopté, appuyé par Mme Racine. Adopté. Trésorerie, thème numéro 6. Mme Racine, compte payé. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de chèques émis au montant de 748 135,22 tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-12-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Monsieur le maire, je veux juste déclarer un conflit d'intérêt pour les comptes payés puisque il y a un point dans les comptes payés qui a de remboursement lors de ma participation au congrès, puisque je n'avais pas de carte de crédit au nom de la municipalité, j'ai dû payer avec ma carte, puis on me rembourse. Donc, par précaution, je vais autant déclarer un conflit. Puisque alors, ce qu'on retrouve à votre nom, c'est un remboursement de vos dépenses. C'est ça. Merci. C'est aussi bien que ce soit clair. 7.1. Avis de motion pour règlement futur. Qu'est-ce qui fait ça? Ah, c'est Marc Louis XVI, oui. Donc, en 7.1, avis de motion, règlement 12-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 9-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de l'Ange Gardien. Le règlement 12-RM-02 pour abroger et remplacer les règlements portant sur les numéros 03-RM-02 et 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange Gardien. Et le règlement 12-RM-03 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 08-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de l'Ange Gardien, pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de l'Ange Gardien. Donc, je donne l'avis de motion. La présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copies, sont remises à ce jour, à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, c'est les titres que je viens de nommer. Est-ce que j'ai besoin de les répéter encore? C'est long. Donc, la lecture des règlements ne serait pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie des projets a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance et à laquelle doit être adoptée ici lors de cette séance. Tous les membres du conseil municipal présents déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. On va passer maintenant à l'avis de motion en 7.2. M. Renaud. J'ai
Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est règlement 2012-014, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone 163 RC à même une partie des zones 164 RR et 171 RR. La lecture des règlements ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation qu'une copie de projet. Des projets a été immédiatement remis aux membres du conseil municipal présent et remis aux autres au plus deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent les avoir lus et renoncent à la lecture. Merci. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, félicitations, M. Pascal Soucy, programme de bourse Hydro-Québec, M. Louis XVI. Attendu que M. Pascal Soucy, résident de Blanche-Gardin, s'est vu remettre le 26 septembre dernier une bourse d'études par Hydro-Québec et la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à titre d'étudiant athlète élite. Donc, je propose et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la municipalité de Blanche-Gardin félicite M. Pascal Soucy pour son excellente performance à titre de karatéka, médaillé d'or au championnat canadien senior 2012 et médaillé d'argent au championnat canadien senior 2011. Nous félicitons aussi M. Soucy récipiendaire d'une bourse d'études émise par Hydro-Québec et la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à titre d'étudiant d'athlète élite. Merci. C'est appuyé par. Peux-tu le mettre à l'unanimité? À l'unanimité, oui. D'accord. Ah bon. Adopté. 9.2, autorisation d'un emprunt par billet, M. Louis XVI. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Blanche-Gardin souhaite emprunter par billet un montant total de 1 146 $500. Attendu à ses fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis. En conséquence, je propose et unanimement résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Qu'un emprunt de billet au montant de 1 146 500 prévu au règlement d'emprunt numéro 2007-008, 2007-012, 2009-006, 2009-011, 2011-007, 2011-015 et 2012-09 soient réalisés. Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire trésorier. Que les billets soient datés du 14 novembre 2012. Que l'intérêt sur les billets soit payable semi-annuellement. Que les billets quant au capital soient remboursés comme suit, selon le tableau qui est indiqué. Que pour réaliser cet emprunt, la municipalité de Blanche-Gardin émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 novembre 2012, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années du 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements numéro 2007-008, 2007-012, 2009-006, 2009-011, 2011-007, 2011-007, 2012-009, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Adopté. 9.3. Approbation de terme d'un emprunt par billet, M. Louis XVI. Je propose et unanimement résolu que la municipalité de Blanche-Gardin accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt du 14 novembre 2012 au montant de 1 146 500 $ par billet en vertu des règlements d'emprunt numéro 2007-008, 2007-012, 2009-006, 2009-011, 2011-007, 2011-015, 2011-009, au prix de, comment je vais le prononcer, là? 100 échéants en série de 5 ans, comme suit. Donc, il faut juste agrandir.
Est-ce que j'ai besoin d'énumérer? Je peux juste dire le taux. Le taux. Juste le taux qui va être à 2,53%, ce qui est excellent. Aussi résolu que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré et par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci. Adopté. Calendrier des séances du Conseil 2013, M. Louis XVI. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, en conséquence, je propose et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2013 qui se tiendront le lundi, sauf s'il s'agit d'un lundi ou un congé férié décrété qui débuteront à 19h. Aussi résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et le secrétaire trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Demande de PIIA, CCE Précision. M. Renaud. Attendu que CCE Précision est une entreprise en pleine expansion qui désire s'implanter dans le parc d'affaires car ses opérations étaient effectuées à même une résidence. Attendu que le bâtiment aura une superficie de 780 m² et que le revêtement extérieur sera composé de pierres, de cannexelles et de tôles peintes. Attendu que l'entrepreneur prévoit conserver le couvert forestier en place ou procéder à la plantation d'arbres dans les cours avant, latérales et arrière. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme et au règlement sur les PIA et que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande telle que le stipule la résolution CCU-2012-46 adoptée le 15 octobre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.6, demande d'autorisation pour la construction d'une résidence en zone agricole, lot 3,301,698, vieux chemin de Mayo. M. Renaud. Attendu que les demandeurs déposent une demande d'autorisation à la CPTAQ pour se construire une résidence unifamiliale et d'y réaliser un projet agricole de faible envergure, des poulaillers d'une dizaine de poules en taillage de 150 érables remises en culture d'une petite parcelle d'un arbre pour des légumes sur le vieux chemin de Mayo, près de la route 315, dans la zone agricole 230-AG. Attendu que la propriété des demandeurs se localise dans un secteur agricole viable, principalement forestier et parsemé de résidences dont quelques-unes ont été autorisées par la CPTAQ, le dossier 244-345 et 309-211, et que leur projet s'intègre bien dans le milieu forestier et qu'il n'entrave pas à l'homogénéité de la communauté agricole, attendu que le potentiel des sols à des fins agricoles du lot et des lots avoisinants se caractérise par des limitations modérées ou des facteurs limitatifs très graves dus à la présence de sols peu fertiles, de rocs et de surabondance d'eau, attendu que la propriété ne renferme pas de potentiel sur le plan acéricole, attendu que les possibilités du lot à des fins agricoles sont fortement limitées en raison du profil topographique accidenté, de la présence de rocs et de sols peu fertiles et que les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de celles-ci sont à toute fin pratique inexistantes. Attendu que le projet des demandeurs n'entraîne pas de contraintes et d'effets supplémentaires pour les établissements de production animale avoisinants. Attendu que les demandeurs ne possèdent pas d'autres emplacements plus appropriés pour réaliser leur projet et qu'il n'y a pas lieu de réduire ou d'éliminer les contraintes sur l'agriculture car elles sont à toute fin pratique inexistantes de toute façon. Attendu que les résidences sont autorisées dans la zone agricole 230-AG et que le projet des demandeurs est conforme à la réglementation d'urbanisme, qu'il redynamisera ce secteur viable et délaissé sur le plan agricole et pour lequel le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande selon la résolution CCU-2012-47 adoptée le 15 octobre 2012. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande d'autorisation visant la construction d'une résidence et la réalisation d'un projet agricole de petite envergure en zone agricole. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.8. Demande de PIA, gestion MPV, ventilation SM. M. Renaud.
Attendu que Gestion MVP œuvre dans le domaine de la ventilation commerciale et industrielle et que cette entreprise désire s'implanter dans le parc d'affaires à l'intersection des chemins industriels et des fabriques. Attendu que le bâtiment aura une superficie de 153 mètres carrés et comprendra la section administrative, de même que le garage pour l'entreposage des matériaux et de l'outillage, et qu'aucun entreposage n'est prévu à l'extérieur. Attendu que le revêtement extérieur sera composé de pierre et de canaxel, et que les propriétaires prévoient conserver le couvert forestier en place ou procéder à la plantation d'arbres dans la cour avant, latérale et arrière. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et au règlement sur les PIA, et que le comité consultatif d'urbanisme en fait une recommandation positive telle que libellée dans la résolution CCU-2012-49 adoptée le 15 octobre 2012. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil est favorable à ce que le service d'urbanisme émette éventuellement le permis de construction relatif à cette demande de PIA. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette, adopté. 9.9, horaire du temps des fêtes. M. Roussez. Attendu que cette année, le 24 et le 31 décembre tombent des lundis et que seuls les après-midi de ces journées sont fériés. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la fermeture des bureaux de la municipalité ainsi que des autres services, à l'exception du service de cueillette des matières résiduelles les 24 et 31 décembre prochains en avant-midi. Les employés ne seront pas tenus de se présenter au travail lors de ces deux avant-midi, mais devront utiliser leur banque de temps, vacances ou autres, pour compenser ces heures. Merci. Et c'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Approbation d'un nom de chemin, M. Mongeon. Attendu que les travaux de construction du nouveau tronçon du chemin situé dans le parc d'affaires de la municipalité sont pratiquement complétés, attendu qu'il y a lieu de nommer ce chemin puisque deux terrains sont actuellement en voie d'être vendus sur ce nouveau chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme le nouveau chemin constitué du lot 5174-405 du cadastre du Québec du nom de chemin Henri Chartrand. Merci. C'est appuyé par M. Renault. Adopté. 9.11. Autorisation de prolonger la période d'essai du préposé en entretien des immeubles. M. Louis XVI. Attendu que la période d'essai du nouveau préposé à l'entretien des immeubles, M. Alain Prou, se terminait récemment. Attendu que M. Prou a demandé que cette période d'essai soit prolongée jusqu'au 1er mai afin de lui permettre de bien évaluer la tâche en saison hivernale. Attendu que le syndicat a donné son accord à cette démarche et que la direction ne s'y objecte pas, étant donné que jusqu'à maintenant, M. Prou répond parfaitement aux exigences du poste. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le prolongement de la période d'essai de M. Alain Prou au poste de préposé à l'entretien des immeubles, et ce, jusqu'au 1er mai 2013. Merci. Puis Mme Racine, adoptée. Autorisation d'assigner une transaction, M. Mongeon. Attendu qu'il y a lieu de résilier le bail d'une des entreprises participantes de la plateforme agricole bio de l'Ange Gardien. Attendu que cette résiliation est causée par le défaut des locataires d'entretenir convenablement la parcelle qui leur avait été octroyée en 2012. Attendu qu'il est urgent de traiter cette parcelle avant le gel afin d'éviter que celle-ci doive être mise en jachère en 2013. Attendu que les locataires sont également en défaut d'acquitter une partie du loyer dû pour 2012, ainsi que certains frais, le tout totalisant 4 724. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une transaction avec les frères Benoît et Guy Morin afin de résilier le bail de ces derniers de la plateforme agricole bio de l'Ange Gardien. La dite transaction est enjointe en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Renault. Adopté. Félicitations à M. Sylvain Léger. Attendu que M. Sylvain Léger, citoyen de l'Ange Gardien, a récemment été nommé président de la commission scolaire au cœur des Vallées. En conséquence, je propose, et il est appuyé unanimement, et il est résolu que ce conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Sylvain Léger pour sa nomination à titre de président de la commission scolaire au cœur des Vallées et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle fonction. Adopté. Félicitations à M. Hervé Filion. Attendu que M. Hervé Filion, entraîneur et conducteur de course souarnais, né sur le chemin Filion à l'Ange Gardien, a disputé ses dernières courses à titre de professionnel à l'hippodrome Rideau-Carlton le 7 octobre dernier.
attendu qu'au cours de sa fructueuse carrière, M. Fillon a remporté 15 183 courses. Il est membre du Temple de la renommée des courses Chouarnais des États-Unis et du Temple de la renommée des sports et des courses de chevaux au Canada. Attendu que la municipalité souhaite rendre hommage à la brillante carrière de M. Fillon, en conséquence, je propose, et il est appuyé unanimement, et résolu que ce conseil félicite M. Hervé Fillon pour sa longue et brillante carrière à titre d'entraîneur et conducteur de course sous Ardennais et lui souhaite la meilleure des chances dans ses futurs projets. Adopté. Félicitations à M. Marc Beaulieu. Attendu que M. Marc Beaulieu, directeur de l'hygiène, du milieu et des parcs, sa conjointe, Mme Jacinthe Roy, et leurs enfants ont reçu le 19 octobre dernier le titre de famille de l'année pour la municipalité de Turceau, Le Cabre-Canton et Le Cabre-Partie-Ouest en raison de leur implication dans la communauté. En conséquence, je propose, et il est appuyé unanimement et résolu que ce conseil a ses plus sincères félicitations à M. Marc Beaulieu et à sa famille pour leur nomination à titre de famille de l'année pour les municipalités de Turceau, Le Cabre-Canton et Le Cabre-Partie-Ouest. 9.16, autorisation de prolonger la période de probation de M. Patrick Sancartier. M. Louis XVI. Attendu que la période de probation de M. Patrick Sancartier, employé col bleu du service de l'hygiène du milieu et des parcs, doit normalement se terminer le 11 décembre prochain. Attendu que la période d'emploi de M. Sancartier prendra fin le ou vers le 6 novembre prochain. Attendu que le directeur du service juge qu'il serait opportun de prolonger la probation de M. Sancartier jusqu'au 1er juillet 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le prolongement de la période de probation de M. Patrick Sancartier jusqu'au 1er juillet 2013. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Autorisation d'une dépense pour les travaux d'arpentage dans le parc du Coteau. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu de faire réaliser un plan topographique du parc du Coteau afin d'aider à la planification d'aménagement du parc. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 800 plus taxes pour la préparation d'un plan topographique du lot 3 648 521 de Parc du Coteau par les arpenteurs Alary Saint-Pierre-du-Rocher. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de parc et terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Autorisation de louer la salle multifonctionnelle de la mairie, M. Louis XVI. Attendu que la résidence Marco Hébert souhaite louer la salle multifonctionnelle de la mairie à raison de 6 plages d'une heure par semaine jusqu'au 31 mai pour des séances d'activité pour leurs bénéficiaires déficients intellectuels. Attendu que le projet est supervisé par des intervenants sociaux du pavillon du parc. Attendu que les sessions se dérouleront à raison de 2 bénéficiaires à la fois encadrés de 2 intervenants. Attendu que le règlement de tarification pour l'utilisation de divers services municipaux prévoit un tarif de 10 $ l'heure pour la location de la salle multifonctionnelle par un organisme à but non lucratif. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer une entente avec la résidence Marco Hébert relativement à la location de la salle multifonctionnelle de la mairie selon les modalités énoncées dans le préambule. De plus, ce conseil autorise une aide financière à l'organisme d'un montant égal au coût de la location de la salle. Merci. C'est appuyé par Mme Racine. Adopté. 9.19, autorisation de publier un appel d'offres pour les travaux d'agrandissement du centre de services Donaldson. M. Fredette. Attendu que suite à la relocalisation des bureaux administratifs de la municipalité à la mairie du 11-11-77, route 315, la direction des services d'incendie et des travaux publics ont été, quant à eux, déplacés à l'intérieur du centre de services du 870 chemin Donaldson. Attendu que le projet global approuvé par le conseil municipal prévoyait l'ajout de 2 baies pour des camions incendiés au bâtiment du 870 Donaldson afin de libérer la caserne numéro 1 actuelle pour les équipements du service des travaux publics. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la deuxième phase de ce projet. Attendu que des sommes avaient été prévues à cet effet et sont toujours disponibles à même le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec. En conséquence, je propose et il est résolu que ce conseil autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres pour la conception et la construction d'un agrandissement du centre de service Donaldson, consistant en l'ajout de 2 baies pour le camion de service incendie à l'extrémité ouest du bâtiment actuel et sous toute forme de contrat de design et construction à forfait. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté.
condoléances. Il est résolu que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à M. André Desjardins, directeur adjoint du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, suite au décès de sa mère, Mme Anita Mongeon Desjardins. Aussi résolu qu'un don de 50 $ soit transmis à la Fondation du C3S de Papineau. Et c'est appuyé unanimement. Adopté. Appui à la candidature d'Intelligence Papineau au prix Ruralia Desjardins. M. Mongeon. Attendu qu'Intelligence Papineau œuvre depuis 2007 au déploiement de l'Internet haute vitesse dans les secteurs non desservis ou mal desservis par les entreprises de télécommunications traditionnelles. Attendu qu'Intelligence Papineau est le reflet de la volonté de toute une région rurale à ne pas se laisser ralentir dans son développement. Attendu qu'Intelligence Papineau représente une prise en charge par la population et les organismes publics d'une région du grand outil de communication et d'interaction socio-économique qu'est l'Internet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie la candidature d'Intelligence Papineau au prix Ruralia Desjardins. Merci. Est-ce que ça peut être unanime? Oui. Adopté. Et je vais en profiter, M. le maire, pour informer nos résidents que, présentement, Intelligence Papineau offre un forfait d'installation gratuit jusqu'en mois de décembre. Et c'est possible d'avoir Internet haute vitesse et la téléphonie aussi en combo. Et puis, il suffit d'appeler à la municipalité pour avoir plus d'informations, pour voir si la couverture est disponible et avoir toutes les informations pour Intelligence Papineau. Aux gens, s'ils sont desservis ou pas, il faut qu'ils appellent directement au numéro qui est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que fournir l'information, le numéro, que nos résidents puissent appeler pour vérifier la couverture et la disponibilité dans leur secteur. Donc, juste fournir, que la municipalité fournisse le numéro de téléphone. Oui. Pas plus que ça. Merci. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'équipements de parc, M. Louis XVI. Attendu que des sommes ont été prévues pour l'installation de divers équipements au parc Glenhamon et au parc du Vaux-la-Voile. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 6 935,73 $ plus taxes pour l'achat des équipements suivants. Un module grimpeur pour le parc Glenhamon, une maisonnette pour le parc du Vaux-la-Voile et deux jeux sur ressort pour le parc du Vaux-la-Voile. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds provenant du programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, intégré d'Hydro-Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Renault, adopté. Autorisation d'embaucher deux nouveaux pompiers. M. Fredette. Attendu que deux postes de pompiers sont actuellement vacants. En conséquence, je propose et il est résolu que ce conseil autorise l'embauche de M. Alain Proulx et de M. Daniel Couture à titre de pompiers pour la municipalité. M. Proulx et Couture étant déjà à l'emploi de la municipalité comme col bleu, l'examen médical préalable ne sera pas requis. Merci. C'est appuyé par Mme Racine. Adopté. Adhésion au programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. M. Gilbert. Attendu que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique a été mandatée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs afin de mettre sur pied et de gérer un programme de retrait et de remplacement de 5 000 vieux appareils de chauffage au bois au Québec. Attendu que le MDDEP et l'Association des professionnels du chauffage, qui regroupe les manufacturiers, les distributeurs et qui maintient des liens étroits avec les détaillants, s'associent ensemble pour offrir des incitatifs financiers fort intéressants pour le retrait ou le remplacement de vieux appareils de bois de chauffage. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien participe déjà au programme Climat Municipalité du MDDEP, qui vise justement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qu'un poêle certifié permet une réduction de 87% des émissions de particules fines. Attendu que le comité d'environnement de la municipalité recommande au conseil municipal d'adhérer au programme Changer d'air du MDDEP. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil entend d'adhérer financièrement au programme Changer d'air du MDDEP qui vise la retraite et le remplacement des vieux appareils de bois de chauffage pour l'année 2013
en accordant une aide financière de 100 $ pour le retrait ou le remplacement d'un vieil appareil de chauffage au bois. Les fonds de cette somme seront pris à même le fonds vert de la municipalité et c'est appuyé par M. Louis-Saint. Unanimement? Oui. Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'une pose et la pose de glissières de sécurité. M. Mongeon. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'installation des glissières de sécurité sur le chemin Henri-Chartrand. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 19 164,90 $, taxes incluses, pour l'achat et la pose de 175 mètres linéaires de glissières de sécurité sur le chemin Henri-Chartrand. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2011-015 prévu à cet effet. Merci. Et c'est appuyé par M. Renault. Adopté. Et finalement, je propose et les résolu que la séance soit levée. Il est 8 h 12 minutes. Merci. Bonne fin de soirée.